Écoutons un peu la magie là, ok? Écoutons, c'est vraiment le monde là, je sais pas. Écoutez ça. Jamais fait ça. Il peut jamais ne prendre ses pas. Ils sont maudits comme moi. Mais s'il est blessé, il préfère rester blessé qu'il aille dans faire un médicament pour avoir ses pas. C'est quoi? Pour avoir de l'argent. Vous savez, c'est pas bon. Je connais pas. Si vous avez, vous qui le connaissez là, je veux me connecter à ce jeune-là. Je sais pas à sa page, parce que je veux suivre, je veux voir vraiment ce qu'il fait. Franchement, c'est pas lui qui disait oui. Je pense que j'ai partagé une de ses vidéos. Oui, c'est ce jeune-là qui avait mis ça là. Où il disait, oui, mon ami est décédé, vous nous donnez des... Vous nous rendez riches et puis vous nous tuez. C'est pas ce jeune-là, je pense que c'est la même personne. Hein. Donc, il faut dire aux gens, viens prendre ton python, viens prendre ton serpent et puis tu vas mourir. C'est ce qu'il faut dire. Faut pas dire, viens prendre le serpent pour avoir l'argent. Il faut dire, viens prendre le serpent, tu vas mourir. Dis la vérité aux gens. Et puis le secret là, il faut parler parce que nous on est assis par terre, on t'attend. Il faut tout dire le secret là, il faut nous dire. Les jeunes de maintenant là, c'est pas possible. Attends, on va écouter. Ils vont parler, ça veut dire que lui, il s'en fout des avertissements. Ils vont parler. Quand tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, on te dit d'arrêter. Sauve ton âme. Mais il est bouché en fait. Il dit, ils vont parler. Il faut venir chercher le serpent et puis tu vas mourir. Il faut dire, et puis tu vas mourir. Faut dire, tu vas mourir. Il ne peut jamais le prendre ses pas. Ils sont maudits comme moi. Mais s'il est blessé, il préfère rester blessé qu'il aille dans faire un médicament pour avoir ses pas. C'est quoi? Pour avoir de l'argent. Il est chanté chez ton Dieu. C'est pas d'aller soulever ses pas pour avoir l'argent. Il ne peut jamais faire ça. Donne ta vie à Dieu. Voilà, c'est pas un chien. Prends ta vie à Dieu. C'est quoi ça? Donne ta vie à Jésus-Christ. Vous les enfants là, au lieu de rester en Côte d'Ivoire pour aller à l'école là, où ils sont même, franchement. Au lieu de rester en Côte d'Ivoire pour aller à l'école, c'est les trucs comme ça là, vous. Donc, on a préparé le parfum, et ici c'est un parfum de Tabara, et ici c'est un savon de chasse, et ici c'est un parfum de chasse. Donc, je vous ai dit aujourd'hui, nous sommes combien aujourd'hui? Non, deux ou bien combien? Les enfants de rien du tout, ils quittent en Côte d'Ivoire pour aller dans les bêtises comme ça. Donc, on a déjà commencé le travail avant-hier, aujourd'hui. Je suis fini et mes frères vont être bébés comme ça. Avant-hier, et mes frères ils sont quittés en Côte d'Ivoire pour venir chez moi, et on est en train de préparer les choses vous-même, vous savez pas déjà. Donc, on a préparé le parfum, et ici c'est un parfum de Kabbalah, et ici c'est un savon de chasse, et ici c'est un parfum de. Afternoon will be successful. You
Ladies and gentlemen, when I say poverty is a pastor, poverty is a pastor. Who they check on? I say poverty no bono bono, did they draw the company? Update, update, you know, three updates in the big thoughts when they update. Cette vidéo là, il y a longtemps j'ai vu ça. Hein. Ça a peut-être 5 ans passé là. Ça c'est pas nouveau. Il y a longtemps que ça est là. Cette vidéo sur moi là, il y a longtemps moi j'ai vu ça. Tous ceux qui ont donné leur vie au diable. Ça, on appelle ça la magie. Tu veux mourir dans 2 ans, 1 année, c'est ton sort qui est là, là. Tu fais ça et puis tu meurs en même temps. L'argent facile. Voici les serpents qui vomissent l'argent. Les serpents initiés dans la magie. Les serpents qui transportent les démons. C'est pas tous les serpents, hein? Les serpents initiés dans la magie. Je pense que vous avez bel et bien vu des pitons qui vomissent de l'argent. En fait, ce qui me fait encore plus mal, c'est que ces féticheurs ont créé des comptes Facebook, des pages Instagram, des pages TikTok, etc. pour essayer d'enduire nos frères et sœurs en erreur, en fait. La famille, je pense que vous avez bel et bien vu des pitons qui vomissent de l'argent. Ce qui est pire dans l'histoire, c'est que ces féticheurs ont décidé de créer des pages TikTok, compte Facebook, Instagram et même des chaînes YouTube pour faire la promotion de leur, rituel, de leur service. Et je vois plusieurs jeunes, que ce soit des Congolais, comme je le dis, la majorité des jeunes Africains se lancent actuellement dans cette course à la richesse, cette course à l'argent facile, payer des iPhones, etc. Pendant que nous, on utilise des iPhones pour créer du contenu, eux, ils utilisent des iPhones pour vendre leur âme. Donc, tu vends ton âme, on te donne un iPhone et quelques millions, tu vas vivre 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu disparais, ou encore tu sacrifies les membres de ta famille uniquement pour avoir un téléphone qui ne va rien te rapporter. Vous voyez ce qui se passe actuellement? C'est ça la mode d'aujourd'hui. Et lorsque je fais ce genre de vidéo, en fait, il y a toujours des gens dans les commentaires qui pensent que je mens. On s'en fout de des réalités. Nous, on croit là, c'est simple. Réagir, les gens diront que Hardy, tu n'aimes pas les Ivoiriens. Loin de là. J'aime la Côte d'Ivoire, mais c'est très important d'expliquer les choses qui se passent actuellement. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des jeunes qui veulent de l'argent facile. Et je sais que dans les commentaires, les gens vont dire que, mais Hardy, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de l'argent facile. Et même lorsque les jeunes font appel à la sorcellerie, aux pratiques mystiques, ce n'est pas aussi facile. Ok, je sais que c'est pas facile, c'est un risque de vendre son âme. Mais j'aime partager ce genre de vidéos pour expliquer ou encore faire comprendre à nos parents. C'est très important pour les parents de tirer les oreilles de leurs enfants et de leur montrer le droit chemin. Parce que avant-hier, une fille est devenue folle à cause d'un iPhone 14. Il y a des jeunes brouteurs au Ghana et au Nigeria qui ont décidé de la prendre et ont détruit sa vie à cause d'un iPhone 14. Alors bref, je reviens aujourd'hui pour vous partager quelques vidéos qui vous prouvent que il existe des pitons qui vomissent de l'argent. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que récemment, j'ai fait une vidéo sur les brouteurs de la Côte d'Ivoire et les gens ont mal réagi dans les commentaires. Les gens ont affirmé que je mentais et qu'il n'existait pas des pitons qui vomissent de l'argent. Mais reste un peu calme. Il existe bel et bien des pitons qui vomissent de l'argent. Mais ces pitons, sont initiés en fait. Ils font quelques incantations sur ces pitons-là qui reçoivent des esprits maléfiques. Après, à leur tour, vomissent de l'argent pour enrichir des jeunes qui peuvent être des Ivoiriens, des Congolais, des Africains en fait.
Même ça existe aussi à l'extérieur de l'Afrique. Mais ici, je parle de l'Afrique parce que c'est très important de parler de ça pour ouvrir les yeux à nos parents. Et nos parents, à leur tour, vont bien situer leurs enfants pour les éloigner de ce genre d'idée, en fait, de vouloir avoir de l'argent facile. C'est ça, oh. Moi, ça fait longtemps que je partage ces genres de vidéos-là pour sensibiliser les gens, les jeunes surtout. Si on te dit, viens, on va avoir, les pitons vont te donner l'argent, tu vas devenir riche. Il faut dire non. Parce qu'ils vont t'attraper pour te forcer, pour faire des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps qu'il y a des vidéos comme ça, là, moi, sur ma page. Tu écris la magie, tu mets mon nom, ça sort. OK? Il y a sur Facebook, c'est comme ça, plusieurs fois, les gens sont en train de faire leurs vidéos. On vient mettre la magie. Comment gagner l'argent facilement. C'est là, leur vidéo, c'est là. Mais n'allez pas là-bas, au fait. Travaillez, allez-y, un peu. L'oiseau fait son nid. N'allez pas, je ne sais même pas ce monde-là. Je ne sais pas, les enfants d'aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Donc, priez pour vos enfants et faites attention aux amis de vos enfants, là. Vous avez compris? Jésus-Christ sur un, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.